langue de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà, bonjour dans la présence de Dieu. Bonsoir. Soyez tous les bienvenus ce matin. Amen. Voilà. Désormais, c'est le centre de prière et de délivrance Péniel. Voilà, c'est le nom du centre. Vous avez un centre de prière, un lieu d'adoration, le bâtiment. Avant le bâtiment, c'est d'abord une pensée. Voilà, avant même que les bâtiments ne prennent forme, c'est d'abord une vision. C'est ce qui sort, qui se matérialise doucement. Donc sachez-le, désormais, les activités qui se passent ici se rencontrent du centre de prière et de délivrance Péniel. Voilà, du ministère de la compassion des âmes. Voilà, il y a le ministère du prophète Joël Crasso. Voilà, qui est sous la direction de la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Voilà. Tout ça, c'est sous le couvert de la Confédération. Voilà, et vous devez le savoir. Pour ceux qui ne savent pas, la Confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels, c'est-à-dire la Confédération qui combat les œuvres de la sorcellerie. C'est la seule pour le moment qui est officiellement engagée en Côte d'Ivoire, en Afrique, dans le monde, il est reconnu, attaqué, affronté la sorcellerie en direct, sans se voiler la face, partout en Côte d'Ivoire. Les journaux en parlent, la télé en parle, l'internet, là on en parle. Plus de 7000 et quelques villes dans le monde. Aujourd'hui, les gens suivent. Savent que dans le monde officiellement, c'est le ministère du prophète Joël Crasso qui est déclaré officiellement détruit la société, délivré un individu qui a la société, délivré une famille, affronté un village qui est délivré de la société. Les autorités le savent. Il a un agrément pour ça. Ça, c'est pas le résultat d'une bataille d'hier. Plus de 7 ans aujourd'hui. Que le prophète est sur le terrain. Le seul homme de Dieu en Côte d'Ivoire a officiellement dénoncé la société devant la télévision ivoirienne partout. Sans porter des gants. Dénoncer la société. Depuis 2006, il est dessus. Hein. C'est maintenant que vous apprenez. La bataille engagée depuis des années. Et qui l'a vu son compte? Certains journaux. Et plein, il dit aimé. Allopolis. Le temps. Il n'y a pas le mot. Le quotidien. Ah, mais alors, même Fraternité Matin. Fraternité Matin, là, il y a pas de choses. On a fait écho. Les redoutables sorciers de Côte d'Ivoire. Ce ministère les a affrontés. Les preuves sont sur le terrain. Ceux qui en doutent peuvent aller sur le terrain. Vous aurez le souvenir des programmes. Des villages ont été visités. Des villages ont été délivrés. Des infrastructures
Aujourd'hui, ils sont en train d'être mis en place dans les villages après nos passages. Vous pouvez vous renseigner. La côtière qui avait été dégradée par cette redoutable sorcière et son équipe. Il s'appelle Kouba Waron. Il a dit la mère de la mort en Godié. Parce que partout où elle passait, c'est la mort, elle se met. Et elle se tape la poitrine pour dire il n'a pas dit, il n'a qu'à s'élever. Cette dame a officiellement aussi défié le prophète. On a pris dans un village qu'on appelle Niago 1. Niago 1. Allez-y sur le YouTube. Amenez-le YouTube. Amenez-le Niago 1. Mais là, il ne peut pas être tué par la puissance. Mais il n'y a jamais un sacré. À la suite d'une action prophétique, sur l'une des espaces qu'elle avait détruits, j'étais là, nous sommes allés. Amen. Sur l'une des parties détruites. Voilà ce jour-là, à l'opolis, et tous étaient là. Elle a parlé, elle dit, désormais je laisse la route. L'État peut venir refaire. Moi j'abandonne. Amen. Suivi d'une action prophétique du prophète. Dans un mois de mai, je me rappelle très bien, 2012. Trois semaines plus tard, c'est-à-dire précisément en juin, l'État a effectivement commencé à refaire le boulot. C'est totalement rétabli. Sans oublier. Je ne vais pas aller loin. Et non, mais ou même ici. Lorsque nous on arrivait ici, c'est des choses qui ne sont pas cachées. Il y avait un problème ici. L'hôpital construit depuis 18 ans n'était pas opérationnel. Mais à la suite d'une action qui a été prédit d'avance. Parce que je me rappelle très bien, le prophète a dit au chef du village, je pars d'ici. Et oui, mais jusqu'au mercredi, Ketazio. Ce qui bloque l'hôpital sera enlevé. Amen. Dans une semaine, l'hôpital sera fonctionnel. Effectivement, ce qui faisait ça, c'était un cadenas mystique. Le cadenas était d'abord localisé. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe qui. Qui peut travailler dans ce domaine. C'est pas donné à tout le monde. Est homme de Dieu. Tout le monde a sa grâce. Tout le monde peut même faire la délivrance. Mais le domaine d'affronter la sorcellerie, c'est un domaine prophétique. Il faut être en mesure de voir la capacité de détecter. C'est quoi il dit, c'est pas donné à tout le monde. Tu peux même être prophète. Et le prophète, non. Mais être certainement appelé à manifester une autre grâce. Quand tu as affronté la sorcellerie, c'est très risqué et très dangereux. Si tu n'as pas reçu quelque chose de Dieu, une voie officielle, je préfère que tu fasses autre chose. Le champ est très grand. Va travailler ailleurs. Ce cadenas-là, mais il fallait d'abord le localiser avant de l'affronter. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous le dire ce matin, il est plus facile de même affronter un sorcier. Voilà, faire face à sa puissance. Il a arraché des aveux, ce qui est très risqué. J'ai dit, mais ce terrain est encore plus facile que d'affronter un fétiche. Mais quand c'est ça, tous ceux qui ont un peu assisté à ça une fois. Voyez, bien ou qui ont regardé sur l'internet. Vous allez savoir ce qui se passe. Les fétiches conservent en eux assez d'énergie négative. Il soudainement doit être détruit. Mais c'est une. Dès que tu touches, c'est une décharge que tu reçois. Il faut être en mesure d'y résister. Ton cœur peut s'arrêter. Ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas conseillé de s'y aventurer sur ce chemin. Voilà, comme Dieu m'a appelé, c'est très dangereux. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends. Non, subitement, des gens veulent s'aventurer. Voilà, parce que ce que les gens doivent savoir, c'est que présentement,
l'atmosphère est déjà envahie de l'onction du prophète Joël. Ça peut tromper les gens. Actuellement, l'onction est là. Vous détruisez la sorcellerie, ça y est dans le village. Et vous verrez au fur et à mesure les effets. Les sorcellers vont venir se parler simplement. Tu peux être entraîné par ça. Tu vas te lancer, commencer à traquer sorcellerie. Tu n'es pas appelé à ça. Il faut quitter dedans. Oui. C'est pas de la plaisanter. Et qui est là où même c'est arrivé là. Peigne les biens. C'est encore plus dangereux. Et quand même parce que la guerre est déclarée au toi, au dans ce village. Mais tu es bon. Les questions d'installer une base maintenant. Ah, je vais la caver au bout de la zone. Alors, je voulais vraiment interpeller certaines personnes. Les wanka quoi là. Ça, ce domaine là. Mais le nous sommes tous témoins. Ah ouais, là, que dire. Tu n'étiches jamais essayé. Tu es homme de Dieu. Il est là, tu n'as jamais essayé ça. Et il faut laisser. Qui est quoi? Qui veut quoi la délivrance de Dieu? Il me dit, il veut chasser les démons. Vous voulez quoi? Qui te veut? Mais sorcellerie. Mais Gouka, mais oui. Et bon. Laisse ce domaine. Tenez le béco. Laisse ce domaine. Tenez quoi? Ça va encore plus te compliquer les choses. Là, oui, tu peux en mourir même. Et il peut faire, bébé. Tu peux en mourir. Il peut faire. Le allez. Sorcier. Gouka, mais sorcier, c'est pas. Gouka, on appelle ça l'esprit méchant. Les œuvres sont caractérisées par la méchanceté. Amen. 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 Au fait, cet homme ne mérite pas d'une certaine attaque. Non, moi, j'appelle ça des attaques. C'est une façon de saboter le travail. Avant que nous on arrive ici, à quel pays? Personne n'avait déjà exercé dans ce domaine. Mais le même coup. Vous faites les délivrances, c'est vrai. Non, mais non, dit, ce que tout homme de Dieu d'ailleurs peut le faire. Je le redis encore. Inquiète. Mais le domaine de la sorcellerie. Mais le coup quand on est là. Que nous on est venus là. Là, il y a bien. Que dans ce village. Je mets tout quoi. On a commencé à affronter la sorcellerie. Les sorciers ont commencé à être interrogés. C'est maintenant. La sorcellerie a été démystifiée. C'est ce ministère-là qui a fait ça ici. Mais le même parler non, un peu de trop. Aujourd'hui, les gens n'ont plus peur de venir. C'est quoi? C'est ce ministère. Mais le même, le même. Il a montré que la puissance de Jésus peut désarmer un sorcier. Et le peut détruire le pouvoir d'un sorcier. Et les méthodes. Non, le même. C'est nous, on enseigne ça. Amen. 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 Voilà, donc. Le même, vraiment, laissez ça. Attends quoi? Laissez ça. Ressaisissez-vous. Voilà, c'est un chantier le béco très dangereux. Et quand on en a levé. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc, ce matin encore. Voilà, on va avancer. C'est un début de semaine. Normalement, c'est un temps de repos. Mais vous savez, quand le fardeau est là. Tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas voir les gens en souffrance. Et puis croiser les bras pour que tu sois en repos. C'est ce qui fait toujours encore. Même dans ce cas. Intervenu le prophète. Non, abrivé, prophète. Alléluia. Amen. Voilà donc ce matin. Désirez. Nous allons avant tout, même avant qu'il ne vienne. Oh, il va quoi, il va. Tu vas prier ce matin. Amen. Voilà, tu vas prier. Tiens-toi debout. Dioko. On va prier un coup. A quoi vous voulez? Voilà, cette fois-ci, tu vas prier pour le prophète, pour tout le ministère, tous ceux qui l'accompagnent. On est pas au carrément, on est dans le bain. Tu vas demander au Seigneur d'étendre sa main sur son oint. On est comme ça. Sur tous ceux qui sont engagés. Tous ceux qui sont engagés dans ce combat. Tu vas demander au Seigneur de les combler de sa grâce. Non, d'accord. Prions un coup. Ah oui, écoute. Merci. Il a fait la vie de 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 la
Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tiens, pas nous. Et nous exauce. Seigneur, tu vas t'asseoir. À cause de et ce matin. Désirer. Nous allons recevoir loin de Dieu. Avec des acclamations à la gloire de Jésus. Amen. Amen.